Wow. Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Science Reborn. Allez, sur cette vidéo, c'est tout. Abonnez, clique là-dessus. Abonne-toi, active également la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Regarde, clique sur s'abonner comme ça. Et c'est tout. Vous voyez? Là, on s'intéresse à faire quoi? À ce que vous vous abonnez. Donc, on dit cliquez sur s'abonner. L'abonné est en rouge. Quand vous cliquez dessus, ça devient genre gris. Là, c'est bon, vous êtes maintenant abonné. Même juste à côté, il y a la cloche qui est là. Ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse à vous. Et on s'intéresse à ce que vous soyez avec nous. De la même façon, vous vous intéressez par exemple à une personne ou à quelqu'un qui est à côté, quelqu'un que vous aimez, que vous pouvez une fille. Voilà, toi là, voilà, voilà, voilà. Un exemple simple. Une fille au quartier qui te plaît. Une fille que tu as vue qui te plaît, de la même, tu t'intéresses à elle, tu cherches à savoir où elle habite, quels sont ses parents, est-ce qu'elle a des frères, est-ce qu'elle a des soeurs, ou même toi, ma soeur, tu cherches à savoir est-ce qu'il a des soeurs, ou bien elle a des frères, c'est la même chose. De la même façon, vous vous intéressez à votre entourage ou à quelqu'un que vous désirez ou que vous aimez, c'est de la même façon le diable s'intéresse à vous. C'est pourquoi je suis là ce soir, sur Nyance Reborn, pour lui dire mon frère, le diable s'intéresse à toi. Si toi, tu ne t'intéresses pas au diable, lui, il s'intéresse sérieusement à toi. Il cherche à savoir ce que tu manges, ce que tu fais, où tu vas, quel est le genre d'homme que tu aimes, quel est le genre de fille que tu apprécies, qu'est-ce que tu aimes faire. Il veut tout savoir sur toi pour te contrôler et te pousser à faire quoi? De mauvaises choses. Enfin, de te conduire où? À l'enfer, parce que pour eux, tu déranges leur système. Si tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, waouh! Waouh! Mes frères et sœurs, c'est grave. Je vous assure que c'est grave. Et comment il va faire? Il va d'abord t'observer. Comment il va faire pour entrer en contact? Il va d'abord t'observer. Hein? C'est simple. Il utilise la même méthode que nous, que toi. Ok. Mise en situation. Toi, ma soeur qui me regarde. Toi, mon frère qui me regarde. Ok, mon frère. La jeune soeur, là, elle te plaît. La fille au quartier, là, elle est jolie. Jusqu'à tu vibres comme ça, tu trembles sur toi. Tu veux savoir... Tu vas avoir beaucoup de toutes les informations sur elle. Comment tu fais? Comment tu fais, mon frère? Comment tu fais? Tu vas d'abord chercher à entrer en contact avec des gens qui sont autour d'elle, non? Le diable également va chercher à entrer en contact avec les gens qui sont autour de toi. C'est la même chose. Il utilise les mêmes méthodes que nous, de sorte à se camoufler derrière. En fait, pour bien se camoufler, pour bien être caché, il va utiliser les mêmes méthodes que toi et moi et nous, afin de pouvoir nous avoir. C'est ce qu'il fait. Il est très simple, il est très rusé. Parfois, il ne faut même pas être trop intelligent ou même trop sage pour savoir les ruses du diable. Regarde. Regarde, c'est la même méthode. Tu cherches à rentrer en contact avec quelqu'un qui est proche de cette fille pour voir exactement ce qui se passe. Et tu cherches à savoir où elle habite. Et le diable fait quoi? Il cherche également à savoir où tu habites, ce que tu fais, où tu travailles, ta profession, ce que tu désires être, tout sur tout. Même toutes les informations sur quoi? Ton âme et ton état d'esprit. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu pries? Est-ce que ton étoile brille? Parce que avant de te combattre, le diable, il prend soin de te connaître d'abord. Oui, c'est une étude qu'il mène sur toi personnellement. Bon, maintenant, toi, ma soeur, tu te dis, ah, mais moi, je n'ai rien à voir avec le diable. Moi, je suis neutre. Je n'ai rien à voir avec lui. Pourquoi il va s'intéresser à moi? Ma soeur, mon frère, le diable s'intéresse à tout le monde. Il s'intéresse à toi. Même au nouveau-né. Celui qui vient de naître. Le diable s'intéresse à lui. Je vais vous donner une preuve. Une preuve. Quand Jésus-Christ était né, qu'est-ce qu'on a la parole de Dieu nous dit? Son étoile brillait. Comment ils ont fait pour savoir que son étoile brille? C'est parce que les gens s'intéressent aux gens. Et le diable s'intéresse à toutes les naissances. Et ils ont vu cette étoile qui brillait. Pourquoi? Parce qu'au moment-là, ils s'intéressaient à toutes les naissances et ils ont découvert que cette étoile-là, quand elle attendait depuis tant d'années, venait d'arriver. C'est parce qu'ils s'intéressent à ça. Sinon, si ça ne les intéressait pas,
Et qu'est-ce qu'il va faire? La manière d'agir du diable, la stratégie du diable va s'observer au travers du comportement de qui? De ce roi qui était là ce jour-là, en ce temps-là. Le roi là-bas dit quoi? Ah! Il y a une étoile qui vient de naître. Ok, ça me plaît. Allez savoir où il habite, où il est, afin que moi-même je puisse aller moi aussi l'adorer. Allez savoir où il fait quoi, où il est, où il habite, c'est où? Il cherche à savoir ton lieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, le diable s'intéresse à nous. Il s'intéresse à toi et moi, et il veut savoir tout sur toi, tout ce que tu fais. Ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, on nous parle également des systèmes de contrôle, de contrôle de l'esprit. On nous parle de ces projets bizarres pour piloter l'esprit de l'homme sans son consentement. Vous pensez que c'est qui fait ça? Là, tu comprends. Là, elle te dit, je comprends maintenant, je vois, je vois, je vois. Il faut voir. C'est le diable qui est derrière tout ça. C'est lui qui s'intéresse à toi. Mais comme il ne peut pas venir directement, il va passer par des gens qui sont à côté de toi pour mieux s'informer sur toi. Ta famille, tes enfants, tous ceux qui sont autour de toi, il peut même aller plus loin en mettant quoi, ses représentants dans ta maison. Ça va être ton frère, ton grand frère, quelqu'un de ta famille. Mais il y a toujours un représentant du diable dans une famille. Si tu es dans une famille où il n'y a pas un sorcier, gloire à Dieu. Bénisse Dieu. Mais ça ne veut pas dire que le diable n'est pas autour. Il rôde, il est toujours autour de votre maison. Et il cherchera à entrer, prier sans cesse. Et il ne trouvera pas le chemin. Bon, ok. Maintenant, tu sais que le diable s'intéresse à toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Entre-nous, qu'est-ce que tu dois faire? Toi aussi, tu dois te lever, non? Ou bien tu ne dois pas te lever, tu dois t'asseoir. Ton ennemi, il cherche à savoir tes points faibles. C'est ce qu'il recherche en un mot. Tes points forts, il s'en fout de ça. C'est tes points faibles parce que lui, son intérêt, c'est de t'éliminer. Donc toi, tu dois chercher à faire quoi? À le connaître, à le découvrir également. C'est qui le diable? Quelle est son histoire? Pourquoi s'intéresse-t-il à toi? Qu'est-ce qu'il a vu sur toi d'un tellement important qu'il s'intéresse à toi et se donne autant de mal jusqu'à essayer de rentrer en contact avec les gens qui sont autour de toi ou encore même de ses représentants dans ta famille? Pourquoi? Pourquoi le diable cherchait-il au travers de ce roi en ce temps-là à tuer le Seigneur Jésus-Christ? Si tu as trouvé les réponses à toutes ces questions, tu auras connu les plans du diable. Et ça, tu auras su comment, pourquoi le diable s'intéresse à toi. Et tu seras maintenant prêt à aller plus loin. Il y a même des vidéos sur la chaîne qui vont t'aider à mieux connaître le diable. Tu dois savoir que le diable, il a plusieurs noms. Et ces noms sont ses caractères, son comportement. Comment on appelle le diable dans la parole de Dieu? Comment on l'appelle? Le serpent ancien. Le diable, Satan, on dit c'est un ange de lumière, le séducteur, l'accusateur. Mon frère, ma soeur, si tu vois quelqu'un à côté de toi qui t'accuse à chaque fois, il faut savoir que c'est le diable qui est derrière. Parce que tous les noms du diable révèlent clairement qui il est. J'ai 99 noms du diable que j'aimerais vous faire connaître dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à cette vidéo, cliquez là-dessus, activez la cloche et nous allons connaître les 99 noms du diable, mes frères et sœurs. Waouh! Qui sont ses caractéristiques? Waouh! Que Dieu nous garde et nous protège. On y va aujourd'hui. Ça va être chaud.